Yo, salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Novigrad, Witcher District. Donc, on continue avec notre quête de l'équipement du chat. Donc on devait se rendre à l'est de Novigrad. Donc là, on est en chemin dans la campagne. Il nous reste quoi? Deux schémas récupérés normalement. Sûrement un pour une épée en acier, j'espère. Enfin, je crois qu'il me manque les deux épées en fait par rapport à l'école de chat, si je dis pas de bêtises. Donc on verra bien. Donc entre temps, le week-end j'ai eu le temps de pouvoir farmer l'équipement. Donc maintenant on est équipé de l'équipement tranquillement. Il nous manque que les bottes. Il fallait des yeux de monstres et j'ai pas d'yeux de monstres malheureusement. Donc voilà. On va vérifier qu'est-ce qu'il y a ici dans le coin. Ouh. Chasseur de sorcières. Ça grouille de monstres à piège. C'est con, on a voulu toutes les sorcières. Il y a au moins une dizaine de macabées là-dedans. Bien la foutre. Une méthode les ordres sont de fouiller cet antre. Et c'est ce qu'on va faire. Oh. Le feu éternel consumera tout. Apparemment, c'est peut-être là-dedans. Non. C'est à la bonne hauteur. Je suis à la bonne hauteur. C'est bizarre parce qu'il m'a dit que c'est à cette hauteur alors que... Je vais voir si j'arrive à passer sur le côté... Non, c'est à l'intérieur. Non, fallait vraiment être... Quoique... Ah. Je devrais jeter un œil aux alentours. Il y avait donc le symbole était bien là. Ah mais c'est clairement à l'intérieur. C'est tellement évident que c'est à l'intérieur. Je sais même pas pourquoi je cherche. Comme à teubé. C'est totalement à l'intérieur. On va aller voir si eux ils me lancent pas sur une quête ou un truc. J'en ai marre de... Des ennuis? C'est rien de le dire. Des emmerdes, des emmerdeurs. Et d'ailleurs vous êtes qui, vous? Gérald de Rive, sorceleur. C'est Radovid qui m'envoie. Ah, c'est vous. Vous avez mis le temps. Ça n'a pas l'air de vous enchanter. Ça vous étonne. On se tape la moitié du boulot, et vous, vous venez récolter les lauriers? Je croyais que vous ne pouviez pas entrer. Jusqu'à hier, mais on a trouvé ça. Ça ne paie pas de mine, mais il y a un genre de magie là-dedans. Ça ouvre l'entrée. Parfait. Je vais le prendre si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Tenez, comme si on allait carrez-vous le où bon vous semble. Si c'est magique, je prends. Clé de la planque de Philippa Ellart. Oh, carrément. Ah, mais c'est lié à la mission avec Philippa Ellart en plus. Parce qu'il y a une autre quête secondaire à faire pour Radovid, justement. Donc elle serait à l'intérieur? D'après vous, Philippa est toujours là-dedans? Ça, on l'ignore. La seule certitude, c'est qu'elle y a été. Et d'où vous vient cette certitude? Nous sommes sur sa trace depuis Lochmuin. Lui arracher les yeux n'a pas suffi. Radovid aurait dû la faire étriper, une bonne fois pour toutes. Voyez-vous, elle s'est transformée en chouette et elle s'est envolée. Elle a traversé Kedwen et la Redania à tire d'elle avant de se poser ici. À quoi dois-je m'attendre à l'intérieur? À tout. C'est un ancien temple elfe. La sorcière Ellart en a fait son repère. Regardez-les. Tombés dans quelques pièges magiques, puis assaillis par des monstres. Ils en ont à peine réchappé. Certains de vos hommes sont encore là-dedans? Une bonne dizaine est entrée. Et voilà tout ce qui est ressorti. Les autres sont sûrement morts. Sûrement, ouais. Bon, bah apparemment, on est lancé sur la quête que Radovid nous avait donnée aussi en même temps. Je vais voir si est toujours là. Ne comptez sur personne pour aller chercher votre carcasse. À ton avis, t'as trouvé quelque chose? Coupe jarret.
Je vais vérifier la quête en question d'ailleurs. Quête secondaire. Ouais, c'est ça. L'ennemi numéro 1 de la Redania. Ouvrez la planque de Philippa. Donc là en fait on termine la quête du chat et en même temps on est déjà sur une quête secondaire comme m'avait donné un autre perso. Enfin, un autre perso. Juste le roi de la Redania. Sorceleur ou pas, il sera dans les flammes du feu éternel. Donc. Derrière ça. Ah. Professeur Sigmund Glogger. Épée en argent de l'école du chat. C'est la survenue. Sixième jour des fouilles. De l'équipement du chat. Explorer les ruines du Castel Drahim. Fais voir ça vite fait. Où est-ce que c'est le Castel Drahim? Putain, mais c'est loin en plus. Ouais, donc le dernier élément est ici. Pour l'équipement de l'école du chat. Bon, je vais profiter d'être ici. On va faire la quête qui est en cours ici. Je sais pas combien de temps ça va nous prendre. Mais on va s'occuper de Philippa et l'art. C'était pas prévu. Mais bon, la quête est là, je suis ici, on va la faire, hein, j'ai envie de dire. Maintenant qu'on y est. Ça me fait chier de bosser pour un Redanien, mais bon. Bon. Faut attraper Philippa et l'art. Pour ceux qui se demandent Philippa et l'art. Donc je me suis un peu renseigné sur l'histoire de The Witcher. Donc j'ai vu l'histoire du 1 et du 2 et tout ça. Il doit bien y avoir un mécanisme quelque part pour ouvrir cette porte. Il manque un caron. Donc ouais, il y avait... Et donc Philippa Ellart est une magicienne qui était au service de du roi de Redania. Et comment il s'appelle encore? Radovid, tout simplement. Qui s'est marié à la fille de l'ancien roi de Temeria, Voltes. Gâchette idéale. Le gâche pour qui j'étais au service. Pour moi, la progression risque d'être plus pénible. Génial, des portails. Et en plus, sûrement trafiqué par les chasseurs. Ça fonctionne. Qui l'eût cru? Le portail, on sait jamais. Maudit portail. Il me donne la nausée. Une rémige, à la bordure abîmée. C'est une plume de chouette. On est sur la bonne voie. Des équerres, j'aurais dû m'en douter. Oh, une cool. Raffole de ce genre d'endroit. On m'a dit, les équerres. Ah putain. Si je récupère des têtes de équerres, je vais pouvoir me. Je vais pouvoir récupérer des yeux de. Des yeux de monstres. Pour pouvoir fabriquer les bottes du chat, justement. Cœur de Necker. Ah, y a pas... Y a que des cœurs. Y en a sûrement d'autres plus bas. Ah,
Par contre, ces trucs-là, je me demande... C'est peut-être des nécrophages, à mon avis. Je pense qu'un bon igni dans la surface... Ah, ça l'a pas plus emmerdé que ça. Le feu... Ils sont pas très forts, hein, à première vue. Désactivé. Essayons de le réactiver. Oh, ouais. Avec quelle magie je peux le réactiver? C'est pas avec ça. C'est pas avec ça. C'est pas avec ça. Aucune idée de comment réactiver cette magie. Ah, attends. Il doit avoir un truc à actionner. Ouais, voilà. Putain, je suis entombé. Une cellule d'énergie pour portail. Vide a priori. Peut-être qu'un signe pourrait la recharger. Une cellule d'énergie pour portail. Vide a priori. Peut-être qu'un signe pourrait la recharger. Pas celui-là. Bien. Ça devrait marcher. Ça y est. Portail réactivé. Reculez. Gardez vos distances. Rengainez ça, vous allez vous blesser. Attendez, vous... Vous êtes ce sorceleur envoyé par le roi? Gagné. Pas la peine de vous expliquer combien c'est dangereux ici. Remontez avec les autres. Pas question. Ces lâches ont fui dès le premier monstre. Je suis d'une autre trempe. Ouais, tu vas mourir. En outre, un événement important se prépare, je le sens. Si je le découvre, le roi Radovid sera reconnaissant. Je serai promu. Peut-être même avec une médaille. Quel événement est censé se produire au juste ? J'ai vu les notes de Philippa Eilhart, mais c'est assez flou. Elle y mentionne Ida Emeyan, Margarita Loantille, Francesca Findaber et Fringy Lavigo. Quelques réunions. D'après moi, ici même. Ce qui s'était passé dans les deux autres, c'est que les sorcières avaient créé la loge, je crois. C'est un rassemblement de sorcières qui avait pour but de créer un royaume gouverné par la magie. Vous et pensez à première que vue, Philippa est toujours ici? C'est ce qu'elle risque de retenter le coup, en fait. On a bien fouillé plusieurs cavernes, mais... Elles sont pleines de recoins. Si caché n'a rien de bien... sorcier. Qu'on soit une chouette ou pas. Très bien. Sortons d'ici. Je vous répète qu'il n'en est pas question. D'ailleurs, j'ai détruit l'alimentation du téléporteur. Nous sommes condamnés à attendre les renforts. Aucun renfort n'est prévu. Donnez-moi le cristal, je nous sortirai d'ici. Mais les monstres... Je vous défendrai. Vous en êtes sûr ? Non. Soyez un gentil petit chasseur. Donnez-moi ce cristal. Je suis un gentil petit chasseur. Tenez. Oh. J'avais fait le con pendant ma partie le week-end dernier. J'ai utilisé de la magie en plein milieu d'un groupe de chasseurs de sorcières. Le truc à ne pas faire. Des lettres d'amour. Dista. Tiens donc. Philippa a rompu avec une femme pour Dijkstra. Encore une plume. À moins que Philippa n'ait eu une volière, ça sent le polymorphisme. Oh, encore un portail. Bon, où est le truc à réactiver? Nope. Bon,
Maintenant, il faut le réactiver. Voilà. On pose la pierre et ensuite on le réactive. Merci. Allez, donnez-moi mes yeux de monstre. J'ai besoin de mes yeux de monstre là. Question. Ouh, il y a un trou. Voilà. Ça devait être son laboratoire. Putain, non. Il y a plein de trucs, mais... Putain, encore... Encore une plume. À moins que Philippa n'ait une volière, ça sent le polymorphisme. Tu te répètes, Geralt. Tu te répètes. Est-ce que je peux remonter d'ici? Oui, il semblerait. On va aller voir. Des fois, il cache des trucs intéressants. Tunnel. Voyons où il mène. C'est pas très efficace, Hard. On va mettre ça comme ça au moins, vu qu'ils sont nombreux. La cellule des nains. Cellule d'énergie. Ok. Donc il y avait un truc à ramasser. Bizarre, ils disent qu'il y a encore une créature, mais il n'y a rien. C'est quoi cet objet là, cellule d'énergie ? Objet requis pour accomplir une quête, qui sait. Allez, continuons. Ah. Ah, de toute façon, ouais, c'est ça. Il me l'aurait fallu pour activer ça. Que je suis arrivé dans une pièce comme ça, j'ai affronté la chasse. Je suis un peu inquiet. Une illusion ? Fait cramer. Je sais pas pourquoi, mais je suis inquiet pour l'endroit où je suis là. En tout cas, ça sent le danger. Il y a des corps brûlés. Premier temps ça, ensuite
les golems ont tendance à se replier. Mais là, vu qu'il est de feu, ça se trouve, si je le frappe, ça risque de me faire très mal. Je l'éteigne avant de pouvoir le frapper. Une fois qu'on a compris, donc le hard était clairement le signe à utiliser pour souffler les flammes. Ok. On va continuer. On s'approche. C'est aussi bizarre, mais. Quoi c'est? Ah d'accord, ça peut être détruit. Mais quel est l'intérêt? Dis-moi. Quel est l'intérêt de le détruire? Encore une plume. À moins que Philippa n'ait eu une volière, ça sent le polymorphisme. Le sang du Veul. Pour ceux qui étaient là le week-end dernier. Elle est verrouillée, je suppose. Non. Un lit, une table, quelques sièges. Un foyer modeste, mais un foyer. Ouais, un foyer ravagé, surtout. Des agates, comme celles que Philippa aime porter au cou. Sauf que, pourquoi sont-elles maculées de sang? Elle a dû se battre, ou s'en servir lors d'une expérience. Oh. Des instruments de chirurgie, tachés de sang. Philippa a dû opérer quelqu'un. Des notes. Presque entièrement calciné. C'est illisible. Pas d'indication sur les expériences qu'elle menait ou elle aurait pu se rendre? Non. On va juste allumer, c'est mieux. Oula, ah c'est son machin. Un mégascope. Roussi. Couvert de suie. L'un des cristaux peut-être servir. Un cristal de mégascope. Bien abîmé. Informez Radovid de ce que vous avez appris sur Philippa. Un mégascope. Roussi. Couvert de suie. L'un des cristaux peut-être servir. Apparemment, il doit peut-être avoir un moyen de tracer les cristaux. Peut-être pour ça qu'il y a... Ah, il y a encore quelque chose là. Qu'est-ce que c'est que ça? Graines d'anis et écorce de bouleau. Un puissant désinfectant. Ok, quittons l'endroit. Attends, je vais devoir franchir tous les portails pour sortir. Ça va être d'un long... Oh, y a quoi là?
coffre. Ah, des agates enrobées d'étoffes. Une expérience ratée. Et Philippa les aurait balancées à travers la salle. Ce serait bien son style. Geralt ? Oh, un bug ! Non. C'est bon. J'ai eu peur. J'ai eu peur. Là, on peut totalement les casser, mais à quoi ça sert ? Je n'ai aucune idée. On va quitter l'endroit. Je crois qu'on en a assez pour le premier épisode. Pas pour cet épisode. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais couper là. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo et je vous dis à dans le prochain épisode ou à ce week-end les gars. Enfin, en stream ou sur YouTube. Allez, ciao.